Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs services que les riches utilisent pour être plus productifs. Quand je parle de richesse, beaucoup de personnes se disent « Oui, Florent, tu parles d'argent, etc. » Pour moi, la richesse, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si tu penses comme un riche, tu vas faire des actions de riche pour avoir des résultats comme un riche, tout simplement. Be, do, have. Ça ment pas, ça s'applique dans tous les domaines. Et dans cette vidéo, je vais te partager, suite à de nombreuses demandes que j'ai eues en commentaire, quels sont les services que la plupart des entrepreneurs, des investisseurs à succès utilisent pour être plus productif. Bonjour, je m'appelle Florent Moncam, je suis entrepreneur et investisseur. J'ai accompagné des milliers de personnes à la date à devenir entrepreneur et investir en immobilier partout en francophonie. Donc, on est la première plateforme au Canada francophone qui peut t'accompagner à développer tes finances, développer ton parc immobilier et surtout développer ton état d'esprit afin d'atteindre tes objectifs. Donc, si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu likes la vidéo et surtout, tu n'oublies pas de la partager à un de tes proches. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve chez moi à Douala au Cameroun. Donc, je suis venu quelques jours pour spécialement te tourner du contenu, notamment concernant l'immobilier, etc. Okay? Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 7 services que les personnes à succès utilisent. Et tu verras des fois que tu vas voir quelqu'un qui a du succès, tu vas te dire que mais comment cette personne fait pour avoir autant de résultats alors qu'elle n'a pas l'air des fois de travailler beaucoup. Moi, j'ai l'impression de travailler fort, etc. Et comme j'aime le dire, seul, c'est impossible de réussir. Donc, aujourd'hui, j'ai fait le point. Bon, j'ai une trentaine de collaborateurs et partenaires avec qui je travaille. Et j'ai plus d'une cinquantaine de personnes qui travaillent indirectement avec moi. Quand je parle indirectement, ça peut être des gestionnaires, ça peut être des plombiers, ça peut être des électriciens, ça peut être des avocats et tout, et tout, et tout. Donc, ça fait quand même un large panel de personnes. Et c'est ça, indirectement, qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Dans cette vidéo, je vais te lister 7 services que moi-même j'utilise et comment toi aussi tu peux les utiliser peut-être à moindre coût. Ça va te sembler peut-être bizarre, mais tu vas voir que c'est une question de gain de temps. Et cette vidéo s'applique surtout si tu es quelqu'un qui aspire à de grandes choses. Et si tu aspires à de grandes choses, à un moment donné, tu vas être fortement occupé. Et il y a certains services que tu peux utiliser pour te faire gagner en temps. Le premier service que tu dois utiliser, c'est le fait d'avoir une assistante. Okay? Aujourd'hui, j'ai 3 assistantes. Okay? Tu vas avoir une assistante personnelle, une assistante exécutive et une assistante administrative. Donc aujourd'hui, j'ai 3 assistantes. J'ai une assistante personnelle, par exemple, qui va gérer tout ce qui est personnel. Donc, par exemple, si demain, j'ai besoin de commander de la nourriture, si j'ai besoin de réserver un restaurant, si j'ai besoin d'un chauffeur, si j'ai besoin de n'importe quoi, si j'ai besoin, par exemple, de remplir un formulaire en ligne pour réserver un billet d'avion, tout ce qui est un peu chronophage, je le délègue. Okay? J'ai également une assistante exécutive qui va gérer, par exemple, tout ce qui est relationnel peut-être avec mes clients, tout ce qui est relationnel peut-être avec mes partenaires, etc. Donc, assistante personnelle, c'est tout ce qui est personnel. Donc, même, par exemple, les membres de ma famille, des fois, je sollicite mon assistante. Peut-être, je donne un exemple. Si ma mère me demande, par exemple, de lui faire, c'est ce qui s'est passé récemment, elle m'a demandé de lui faire son visa pour le Canada. Moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas le temps de le faire. Parce que tu vois, mon temps est très important pour moi. Okay? Je peux passer 3-4 heures à faire des démarches administratives, alors qu'en 3-4 heures, je peux produire autre chose qui va me rapporter beaucoup plus d'argent. Donc, je préfère peut-être déléguer cette tâche-là en payant une personne pour faire cette tâche-là à ma place. Okay? Tu vas également avoir une assistante administrative. Donc, une assistante administrative va peut-être gérer tout ce qui est facturation, etc. Donc, par exemple, moi, j'ai pas mal de dépenses mensuelles, que ce soit à titre personnel et surtout à titre d'entreprise. Donc, j'ai une assistante administrative qui va, chaque fois qu'il y a une dépense, tac, j'envoie les factures. Donc, dès que je commande à manger, je prends la facture, j'envoie. Dès que j'achète n'importe quoi, je lui envoie, elle comptabilise et elle envoie mon comptable. Okay? Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que tu as nécessairement besoin d'avoir 3 assistants comme moi. Okay? Mais tu peux avoir une assistante virtuelle, par exemple. Il y a des assistantes virtuelles que tu peux rémunérer à 2 à 6 dollars de l'heure. Tu pourras faire tes recherches sur Internet. Mais ça, c'est un bon moyen pour toi, par exemple, de déléguer certaines tâches chronophages. Et comment le savoir, c'est qu'il faut que tu évalues plus ou moins ton taux horaire. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je connais mon taux horaire, tu vois. Donc, toutes les tâches pour moi qui ne vont pas nécessairement rentrer dans mon taux horaire, je le délègue. Je te donne un exemple, tondre le gazon. Ça me vient parce que j'ai essayé de tondre mon gazon il y a de ça quelques années. Je l'ai tout simplement raflé comme jamais, tu vois. Tondre le gazon. Donc, moi, je préfère, par exemple, payer quelqu'un, je ne sais pas, 20 dollars de l'heure pour tondre mon gazon plutôt que moi de tondre le gazon. Parce que déjà, je vais le faire beaucoup plus lentement, moins bien. Et derrière, je peux utiliser ces 2-3 heures que je prends pour tondre le gazon pour faire autre chose, en fait.
même pour lire un livre. Et ne dis pas que voilà, parce que j'ai payé 20$ de l'heure, que je vais gagner immédiatement plus. Je te donne juste un exemple. Par exemple, tu peux payer quelqu'un 20$ de l'heure pour faire une tâche. Toi, tu passes un coup d'appel avec un potentiel partenaire qui va te ramener peut-être 1 million dans 2 ans. Tu vois? Donc, ce n'est pas genre tu comptes, OK, ça m'a coûté 20$, il faut que ça me rapporte le double parce que mon taux horaire est de peut-être 40$. Non, c'est sur le long terme. Même juste tourner cette vidéo, par exemple. Tout à l'heure, par exemple, je devais envoyer des factures suite à des achats. Je ne l'ai pas fait moi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, voilà, je préfère tourner une vidéo, sachant que cette vidéo va me rapporter plus. Donc, par exemple, les factures, je les ai passées à mon assistante jusqu'à quand tu envoies mon comptable, tout simplement. Le deuxième type de service que la plupart des riches utilisent, c'est tout simplement des services de cybersécurité. Quand je parle de cybersécurité, c'est quoi? C'est tout ce qui est... Aujourd'hui, on est ouvert au monde à travers Internet, OK? Et il y a beaucoup de risques de piratage, de risques de scam, de risques d'usurpation d'identité, de risque de diffamation, de tout ce que tu veux. Moi-même, j'ai été victime de ça, vu la présence que j'ai en ligne, bien évidemment. Donc, il faut également investir dans des services de cybersécurité. Et ça ne coûte pas cher. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des consultants en cybersécurité, par exemple, qui vont renforcer la sécurité, peut-être de mes données et même de mon entreprise, mes sites web, etc. Okay? Aujourd'hui, moi, je te recommande, par exemple, d'utiliser toujours un VPN. Tu as NordVPN, ça ne coûte pas cher, tu as même la version gratuite. Ça te permet vraiment de sécuriser tes données rien que lorsque tu es sur Internet, etc. Donc, beaucoup de personnes à succès vont massivement investir dans des services de cybersécurité pour protéger leurs données. Tu vois? Et des fois, tu peux avoir accès à des actifs numériques dans ton ordinateur. Par exemple, ça peut être des connaissances que tu as, ça peut être des projets que tu as développés qui sont valuables, que tu peux monétiser, que tu peux même labelliser, tu peux mettre la propriété intellectuelle là-dessus. Mais faute de sécurité, ben, quelqu'un peut tomber sur ces informations et te voler une idée. Et demain, tu vas pleurer que voilà, j'avais pensé à cette idée-là et quelqu'un m'a doublé. Tu vois. Alors que ça se trouve, cette personne a eu accès à cette information parce que tu lui as donné accès faute de sécurité. Donc ça, c'est le deuxième service que la plupart des personnes à succès utilisent. Le troisième type de service que les riches utilisent et les personnes à succès, c'est tout simplement l'accès à certains salons ou services de conciergerie privée. Je m'explique. Quand tu voyages, par exemple, tu dois généralement arriver 3 heures avant le décollage. Okay? Ça, c'est sans compter l'embouteillage, sans compter toutes les tracasseries que tu vas avoir, voilà, contrôle de ceci, contrôle de cela. Il existe des services pour bypasser tout ça. Moi, par exemple, lorsque je vois, je vais payer un service de conciergerie qui va me permettre d'arriver, dans certains cas, juste 1 heure avant le décollage ou même dans certains cas, d'arriver sur le tarmac, de monter dans l'avion. C'est un certain prix, mais ça me fait gagner du temps. Parce qu'en tant qu'entrepreneur et même en tant qu'investisseur, tu privilégies plus le temps. Donc moi, par exemple, je vais préférer payer un service, par exemple, de conciergerie, peut-être 100$, 200$, voire même dans certains cas, 300, 400$ pour me permettre peut-être de gagner 2-3 heures d'attente à l'aéroport. Tu vois, donc ça fait que si mon avion décolle peut-être à 20 heures, moi je vais partir de chez moi peut-être 1 heure avant, j'arrive 30 minutes avant et j'ai tout fait avant. Donc c'est-à-dire c'est qu'on est déjà venu chercher mes bagages avant, clac, 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 c'est parti, moi j'arrive, boum, je rentre dans l'avion et c'est parti. Tu vois, ça c'est même encore plus rapide quand tu voyages en jet privé, mais bon, je ne suis pas encore rendu. Donc ça c'est le quatrième type de service auquel tu peux avoir accès. Honnêtement, ce n'est pas si cher que ça et c'est encore moins cher quand tu voyages en famille. Quand je voyage en famille, c'est primordial. À la limite, quand je voyage seul, ça va. De temps en temps, il y a certaines fois, je prends ce service-là. Des fois, je ne prends pas. Par exemple, si j'ai un livre à lire, je ne vais pas prendre ce service. Si je suis pressé et que voilà, tac, tac, j'ai des choses à faire ou si j'ai une conférence juste avant, là, je prends ce service-là. Et par exemple, quand je voyage en famille, obligatoire. Parce que j'ai rien que de porter des trucs de partout là. Dans le service de conciergerie, tu as une équipe de personnes qui vont porter toutes tes affaires pour toi qui vont, non, là comme ça tu te brises pas le dos et tu peux être plus productif à faire autre chose. Par exemple, ça peut être avoir des appels, ça peut être faire des choses en même temps que tu es en train d'embarquer. Moi, j'ai eu à faire des réunions lorsque j'étais en train d'aller à l'aéroport, en train de monter dans l'avion. Pourquoi? Parce que ben, j'avais du service qui m'aidait à ne pas avoir à le faire et derrière, je gagnais plus d'argent. Pourquoi? Parce que j'étais peut-être en réunion en même temps. Le cinquième type de service que la plupart des entrepreneurs à succès utilisent, c'est tout simplement le fait de se faire accompagner. Et ça, c'est un coût. Et se faire accompagner sur plusieurs aspects. Pour moi, il y a 3 aspects importants. La santé avant tout, les relations et les finances. Ça, c'est les 3 piliers sur lesquels tu dois te faire accompagner. Par rapport à la santé, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai un coach sportif et je veux m'en prendre un deuxième. Là, j'ai repris le sport
je vais prendre un deuxième coach sportif. La santé, c'est important. C'est-à-dire c'est que tu dois faire du sport. Il y a des abonnements pour les salles de sport, mais le fait juste d'avoir un coach qui va te crier dessus pour que tu fasses la dernière répétition, ça fait la différence. C'est-à-dire juste d'avoir quelqu'un. Moi, c'est pour ça que j'ai pris un coach, parce que le coach te pousse à dépasser tes limites. Okay. C'est important également d'avoir un coach ensemble pour tout ce qui est santé mentale. Donc, par exemple, tout ce qui est thérapie, quelqu'un avec qui tu peux communiquer. Okay. Ça, c'est très important. Et moi, j'ai longtemps négligé ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire oui, dès que tu te fais accompagner et tout, c'est que tu vas mal, etc. Non, tu ne verras aucun entrepreneur, aucun investisseur à succès qui ne se fait pas accompagner, qui ne préserve pas sa santé mentale. C'est pas pour rien que tu vois beaucoup de personnes méditer. C'est pas pour rien que tu vois beaucoup de personnes faire des fois des retraites. C'est pas pour rien que tu vois des fois des personnes prendre du recul, être dans des environnements silencieux pour, comment dire, restaurer leur santé mentale, pour préserver leur santé mentale. Et moi, j'en ai subi les conséquences il y a de cela quelques mois. La raison pour laquelle je me fais accompagner également à ce niveau-là. Et bien évidemment, tu dois te faire accompagner en termes de finances. Avoir un coach, avoir un conseiller financier, avoir quelqu'un qui t'apprend à gérer tes finances. Et surtout, ça doit être quelqu'un qui sait gérer les finances et qui a eu à bien gérer les finances et qui a eu à avoir des résultats financiers 10 fois plus que ce que tu vas accomplir. Ça, c'est très important. Je dis bien, c'est pas juste 1 ou 2 fois. Je dis 10 fois plus que ce que tu vas accomplir. Parce que cette personne va te montrer le fast track, c'est-à-dire comment aller beaucoup plus vite. Moi, aujourd'hui, j'ai un de mes coachs que beaucoup connaissent, Dan Locke. Il a généré plus de 100 millions. Là, il est en train de partir vers une autre galaxie. Il a fait 100 fois ce que j'ai voulu faire à mes débuts lorsque j'ai commencé à travailler avec lui. 100 fois. Donc, il a fait 100 fois 1 million. C'est un jeu d'enfant pour m'apprendre à faire mon premier million. Pour lui. Pourquoi? Parce qu'il va me montrer les raccourcis et les erreurs peut-être qu'il a commises pour que moi, j'aille beaucoup plus vite. Se faire accompagner par un mentor. En tout cas, avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger, qui va te tirer vers l'avant sur les 3 piliers que je t'ai évoqués là. C'est primordial. Le 6e type de service dans lequel la plupart des entrepreneurs à succès ou investisseurs utilisent, c'est tout simplement le fait d'avoir, je dirais, un wealth manager, c'est-à-dire un gestionnaire, un conseiller en finance, en fait, un conseiller financier, en tout cas quelqu'un qui t'accompagne dans ton processus de création de patrimoine à travers plusieurs produits. Ça peut être à travers des assurances vie, ça peut être à travers certains placements, ça peut être également à travers certains types de services. Donc, par exemple, des avocats d'affaires, ça peut être à travers des comptables, ça peut être à travers des fiscalistes. Donc, toute une panoplie de personnes qui vont t'accompagner à préserver ta richesse. Parce que gagner de l'argent, c'est simple. Pas facile, mais simple. C'est surtout le garder et le multiplier qui est le plus difficile. Donc, beaucoup de personnes suivent cette chaîne YouTube en se disant « Voilà, je vais suivre les vidéos, les formations de Florian pour faire de l'argent. » Ça, c'est la première étape parce que derrière, c'est encore plus dur. Ceux avec qui je travaille, vous savez de quoi je parle. Préserver sa richesse, surtout quand on parle de fortes sommes, c'est très, très, très compliqué. Le 7e type de service que la plupart des entrepreneurs et investisseurs à succès utilisent, c'est les memberships ou accès à certains clubs privés ou country clubs ou mastermind. Je m'explique. Tu vas avoir par exemple beaucoup d'entrepreneurs qui vont payer pour avoir accès à un cercle de personnes peut-être qui sont à leur niveau ou plus. Et ça va être beaucoup par exemple des country clubs pour par exemple jouer au golf. Ça va être par exemple tout ce qui est sport divers, par exemple le ski, etc. Donc, des certains sports d'élite où tu vas pouvoir avoir accès à plus de réseaux. Plus jeune, mon père m'a encouragé à jouer au golf. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai très vite compris. Et à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai repris derrière moi parce que j'ai vu la différence en fait. C'est que par exemple, quand tu vas jouer au golf, ben, tu vas nécessairement rencontrer des personnes d'un certain standing et qui peuvent t'ouvrir énormément de portes. Donc, essaie peut-être de rejoindre des groupes. Et ça peut être différents centres d'intérêt, mais en tout cas des groupes de personnes qui ont le même centre d'intérêt que toi. Moi, par exemple, je paye beaucoup de mastermind. Les mastermind, c'est quoi? C'est des cerveaux collectifs. Donc, c'est des groupes de formation où, par exemple, tu vas avoir un coach et tu vas avoir, par exemple, mon coach, on est des entrepreneurs qui font entre 1 et 10 millions. Donc, tu es entouré du, on est à peu près combien? On doit être 70. 70 personnes qui font entre 1 et 10 millions. Et lui, il fait 10 fois ce montant. Tu vois? Et ce groupe-là, on s'entraîne. On se rencontre plusieurs fois par an pour dire que ok, voilà ce qui a marché pour moi, voilà ce qui n'a pas marché. Fais attention à ci, fais attention à ça. Voilà où j'en suis rendu, il va se passer ça, 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 ça. Ça, ça, ça n'a pas de prix. Ça me coûte 35 000 à 55 000 dollars par an pour être dans ce genre de groupe. Et c'est le meilleur investissement que j'ai eu à faire. Et ça, c'est ce type de service-là que tu peux avoir. Parce que ça te permet de gagner du temps. Ça te permet de gagner du temps, l'expérience d'autres personnes, etc. Ok? Il y a également un dernier type de service que j'ai tout récemment utilisé, que j'ai commencé à utiliser, c'est d'avoir un chef privé. Pas ici au Cameroun, mais à Montréal.
Parce que je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps avant avec ma conjointe à faire à manger. Okay, donc je fais à manger, la vaisselle, etc. Donc j'ai décidé en fait de prendre un chef privé qui va venir préparer chez moi une à deux fois par semaine. Et vu que là, j'ai repris le sport, tu vois, donc tu allies santé, enfin physique et alimentaire en même temps. Donc ça veut que mon chef privé, il est en lien avec mon coach pour dire que, ok, bon là, Florian, il doit manger, il doit faire ça aussi, cela, voilà. Il fait tel exercice, donc là, peut-être c'est prise de masse, ok. Il va manger tel type de... Prépare-lui tel type, enfin, conseille-lui de manger tel type d'aliments, ok. Sèche, ok. Là, il va manger tel type d'aliments, etc. Par exemple, là, je vais rentrer dans une phase où j'aurai besoin d'être hyper focus en fin d'année. Entre septembre et décembre, c'est même pas la peine de me parler. Je suis tellement focus parce que c'est le dernier trimestre de l'année. Que là également, l'alimentation que je vais avoir va avoir un impact sur mon mindset. Okay? C'est sûr que si je mange des McDo tous les jours, je n'aurai pas la même vivacité d'esprit que si je mange, par exemple, de bons légumes, du poisson, etc. Tu vois, des produits sains, nickel. Okay? Ça, c'est très important d'avoir également ça. Et ça également, c'est tous ces services que je t'ai partagés, c'est accessible pour très peu. Et dans certains cas, surtout si tu es entrepreneur, c'est déductible d'une part. Et surtout, ce n'est pas tant le coût, c'est ce que ça te rapporte en termes de santé, de relations et de finances. Si tu maîtrises ces trois piliers et si tu te fais accompagner autour de ces trois piliers à travers les différents services, et c'est là je t'en ai partagé 7, mais il y en a énormément d'autres, sache qu'il y a de très fortes chances que tu ailles beaucoup plus vite que la normale par rapport à tes objectifs. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi également quel type de service toi tu aimerais utiliser parmi ceux que je t'ai énumérés. Et voilà, on va échanger sous les commentaires. C'était Florian de Global Investisseur. Tu likes cette vidéo, tu la partages et on se dit à très vite. Ciao.